Hello la famille, bienvenue sur DBTV Bénin, nouvelle sortie de Vano Baby qui explose le score de vues sur YouTube. On en parle aujourd'hui avec deux acteurs culturels, Ulrich Akakpo, Akatumao. Je suis chrétien. Team pour les intimes. Ntumao Gandhi. Alors, avez-vous écouté la dernière sortie de Vano Baby? Ouais, comme tout le monde, je l'ai écouté. C'est pas mal, ça va. Appréciation. Bon, pour ce morceau, c'est vrai qu'on connaît déjà Vano sur Régis Dornier, d'accord. C'est vrai qu'il est resté, il a fait semblant de rester, il a continué avec ce même Régis. Mais pour moi, ça manque encore un peu de piment, même si ça a été un peu chaloupé, d'accord, le son. Mais ça manque un peu de piment. Ce n'est plus le Vano qu'on connaît avec des thèmes qu'on lui connaît d'habitude. Cette fois-ci, il a changé. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir mis le nom Mao, d'accord, dans ce single que ça a changé un peu. Mais pour moi, je n'ai pas reconnu trop Vano Baby. Alors, Ulrich Akakpo, pareil chez vous, vous n'avez pas reconnu Vano sur ce son? Vano Baby est resté égal à lui-même. Moi, j'ai écouté le morceau à plusieurs reprises et j'ai aimé ce morceau. Encore qu'il est en collabo avec le Nigérien Q-Dot. Donc, il a donné le meilleur de lui-même, même si on ne trouve rien d'étrange, hein, d'extraordinaire dans cette nouvelle sortie. Mais quand même, c'est appréciable. J'aime. Une note sur 10. Je lui donne 7 sur 20. Tim, je pouvais donner 5 sur 20, mais vu que Q-Dot également n'a pas, depuis que le son est sorti, Q-Dot ne l'a pas partagé sur sa page Facebook, ne l'a pas fait également sur Instagram ni sur Twitter, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, est-ce qu'il n'a pas apprécié le son lui-même? Il faut se poser d'abord cette question. Il y a beaucoup de commentateurs, c'est-à-dire des Facebookers qui disent que Q-Dot aurait déprécié, d'accord, l'artiste, même au Nigeria. C'est-à-dire qu'il est apprécié au Bénin, il est numéro 1 au Bénin. Lui-même sur son dossier, on voit déjà numéro 10, ça veut dire qu'il est le capitaine. Mais au Nigeria, il ne peut que contrôler qu'un petit village. Vous voyez, je lui donne 5, sinon 4 sur 20. Les 4 sur 10. Contrairement à ce qu'il a dit, moi je pense plutôt que même si Q-Dot ne partage pas, hein, le lien ou la vidéo sur sa page ou sur son compte Facebook. Moi, je pense plutôt que Vano a su ramener la valeur du Nigeria au Bénin. Parce qu'on sait que le clip a été purement tourné au Bénin. Donc, on retrouve beaucoup plus de belles images du Bénin dans le clip. On ne retrouve pas le Nigeria dans le clip. Donc, c'est déjà un effort, hein, formidable venant de l'artiste Vano dans la promotion, hein, dans la valeur, hein, qu'on donne à notre très cher pays. Dans ce clip, aucun Nigérien, quand un Nigérien regarde le clip, il saura que bon, voilà, ça c'est un clip spécialement dédié pour le Bénin, donc la valeur se repose au Bénin. Je vois pas l'intérêt, hein, de l'intérêt où on trouve qu'on doit susciter ou faire appel à Q-Dot de partager ce lien, parce que ça ne reflète pas la valeur du Nigeria, c'est le Bénin. Ok, à cause de qui ce son a eu tellement de vues sur YouTube actuellement? Ça n'a pas encore eu tellement de vues. Actuellement, aujourd'hui, ça fait 2 jours, c'est sorti. On doit être à 70 000 vues sur YouTube. Je pense que ce n'est pas encore, c'est pas rien. Mais avec un peu d'effort, avec la considération de certaines pages Facebook, ça peut aller quand même. Parce que nos artistes ne mettent pas de l'argent dans la communication. Ils pensent qu'il faut partager de façon gratuite. Ils n'ont qu'à mettre de l'argent dans la communication et puis ça va partir. Pas mal de vues en tout cas. Moi, j'ai apprécié le son. Maintenant, est-ce que Vano Baby, comme il a l'habitude de le faire, de parler de cesse, est-ce que ça s'est beaucoup ressenti cette fois-ci dans le morceau? Il ne peut pas chanter, d'accord, sans évoquer le cesse. Il a évoqué le cesse, d'accord, d'une certaine façon, d'une façon voilée. Il a évoqué le cesse. Vous êtes du même avis que Tim? Vano, comme je l'ai dit, est resté égal à lui-même. Il est toujours trivial et puis bon, ça se sent dans le morceau. Vous avez, si vous écoutez bien, c'est rien que de la vulgarité, comme il a l'habitude de le dire dans ses chansons. C'est un peu ça. Mais il n'a pas été percutant, il n'est pas percutant. Ça manque le punch, quoi. Alors, merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était une émission spéciale dédiée à Vano Baby pour ce son à Katumawa. Merci de nous avoir suivis. C'est Vano Baby. Et notre minou m'a choqué tout. Choqué tout, Vano choqué.
Nino Jo Vuzela Yeni Jo Sototo Jo Sototo Jo Sototo Mira Nunya Vichela Yeni Jo Parato Jo Parato Et notre coto mais un bat John Kessi Vila Yeni Jo Agato Yeni Jo Agato Yeni Jo Agato Mais on ne peut pas 500 000 prix à Kbatan Mi même Big Bero Papago Télécharger pour nos bodo amis sa ki wifi Kwa oko bodo ko kikakabo a totomo C'est Michel Akanto comme nous comptons ici paradis. Hey, Jacumo, 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 Jacumo,